Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo sur AMS2 concernant un site qui ressemble un petit peu à LFM pour ceux qui connaissent et qui roulent déjà dessus avec Assetto Corsa Competizione ou même RF2. Je suis tombé sur une vidéo d'un espagnol et donc je tenais à vous partager un petit peu ce site. Vous allez voir, c'est un site en fait pour qu'on puisse rouler en online. Il y a un petit peu des courses online. Alors bien évidemment, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait autant de monde que sur LFM ou sur un serveur classique de ACC. Mais je pense qu'en week-end, on peut trouver un petit peu de monde et on peut rouler sur un truc sympa avec un système de safety rating, etc. Avec un niveau bronze, etc. Comme ça se fait sur d'autres sites aujourd'hui. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous le présenter. Hein. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, bien évidemment. Donc, vous allez sur Google et vous tapez Racecraft Online. Vous voyez, et vous tombez dessus. Tac. Vous voyez ici. Alors, certains peut-être le connaissent. Hein. Moi, je le découvre. Donc, je le partage pour ceux qui le découvriraient aussi au travers de ma vidéo. Donc voilà, bon, je suis déjà inscrit hein, mais la première fois vous faites se connecter, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître, on va vous demander votre mail, un mot de passe et vous mettez s'inscrire maintenant, et ensuite il va vous demander d'associer votre compte Steam comme ça se fait sur toutes les autres plateformes de partage de courses online hein. Il n'y a aucune crainte, vous faites partager avec votre compte Steam. Et vous allez donc être inscrit directement. Vous voyez, rien de compliqué. Une adresse mail, un mot de passe associé au compte Steam. Et vous vous retrouvez donc ici. Après, vous cliquez ici, vous allez avoir les courses, les menus, les classements, etc. Un petit peu si vous avez ici la foire aux questions, le FAQ, si vous posez des questions, comment marche, les notes de Elo, etc. Vous voyez, pour calculer le Elo après chaque course, etc. etc. Donc c'est un vrai petit site qui peut être sympa. Donc voilà, je l'ai découvert il y a pas très longtemps, hein, donc je tenais à vous le partager. Vous voyez, il y a des courses, ici à 16h30, il y en a une. Alors, ils mettent des IA parce qu'ils savent que ça se remplit pas, mais ça peut être sympa aussi, ça fait monter votre elo. Et puis il y a un petit peu des challenges sur des courses ou des combos, peut-être qu'on ne connaîtrait pas ou qu'on n'ose pas faire. Donc voilà, ça peut être sympa, vous voyez. Vous regardez un petit peu ce qui vous intéresse. Ici, il y en a une à 18h15, LMDH. Dans 2 heures, donc vous pouvez aussi aller en practice simplement, vous inscrire à la course. Alors c'est très simple, hein, vous vous inscrivez à la course et puis vous allez dans le jeu et vous allez retrouver dans le multijoueur le serveur correspondant à la course où vous vous êtes inscrit. Voilà, donc normalement une fois que vous êtes inscrit, il y aura un numéro de salle et vous allez le voir, par exemple Racecraft 36 86 88, et bien vous verrez, vous cliquez, vous faites entrer dans le serveur. Si vous êtes inscrit à la bonne course, vous allez pouvoir rentrer dans le serveur et rouler online avec d'autres pilotes. Comme je le répète, là vous voyez il est 16h15, je pense pas qu'il y ait grand monde. Faudrait voir un week-end. Je pense qu'en week-end on pourra retrouver plus de monde que d'être séparé chacun dans un petit serveur. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Moi-même, je vais aller tester. Je vous fais une petite parenthèse aussi. Je vous ai fait un unboxing de mon pédalier Hussenwild. Pour ceux qui s'impatientent sur le retour sur la qualité de ce pédalier, je viens de recevoir la carte. Tout va se mettre en place tranquillement. Je vous ferai un retour. Je vais un petit peu modifier mon setup aussi complet sur 2-3 choses que j'aimerais faire. Donc avant de vous faire une vidéo complète sur le retour de ce pédalier et de cette qualité, ne vous impatientez pas, ça va arriver dans quelques temps. Voilà, cette vidéo va toucher à sa fin puisque je voulais simplement vous partager ce petit site. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, allez faire un tour, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Vous me ferez des retours si vous avez testé, voir un petit peu comment se comportent les pilotes, si vous trouvez des pilotes. Mais voilà, donc sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à ciao, bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.